Recherche fuite, toit terrasse, infiltration dans l'habitation, au plafond de la cuisine. Équipement, caméra, endoscopie, caméra thermique, des tests ultraviolets à la fluorescine. Première infiltration qui a été enduite, mais le problème n'est toujours pas résolu ici. Un second. Au niveau de la lampe, on voit quelques taches de gouttes autour du luminaire, mais sec, qui est séché bien sûr. Et puis une autre à côté ici, qui a été aussi enduite. Par contre, une toute petite tache là. Pour quelle raison ici? Il s'avère qu'on a juste au-dessus une boîte de dérivation générale. Bien sûr, hein, caméra passée au niveau des luminaires, des autres luminaires, tout a été vérifié, testé à l'eau, etc. On a pu passer la caméra aussi ici. Hein. Au fond, on a un boîtier électrique, hein, on a passé la caméra juste. On l'a testé. Maintenant, l'infiltration. L'infiltration qu'il y a dans la cuisine, le plafond de la cuisine, n'a rien à voir avec ça. Rien à voir. Ça a été vérifié, revérifié. En fait, si vous voulez, le plafond, il a des rails, des suspentes. Et en fait, cette eau, elle longe les suspentes. Et elles vont buter. Terminé, là-bas exactement. Par contre, l'infiltration se fait partant depuis important. Une partie ici, ici, on a la gaine générale qui se trouve sur la droite, qui vient de l'EDF, qui longe cette protection, qui se trouve à l'intérieur bien sûr, et à un moment, elle rentre au niveau de la boîte dessous. Et aussi, ils ont un piquage ici, qui va alimenter le luminaire. La fuite ne vient pas du luminaire. Hein. Elle vient à partir d'ici. Mais comment elle rentre? Petite fuite ici. Et encore, c'est pas. Elle s'évacue par-dessous. On voit bien la petite saleté. Ici. Elle bien. Partant depuis. La charpente métallique, aluminium, vient atterrir dans cette. Dans ce chenot, une partie vient s'infiltrer à l'intérieur ici, une autre partie là longe l'intérieur et va s'infiltrer le long des gaines tout simplement. Et puis on a une autre partie là, je vérifie. Alors si c'est mouillé, ça ne doit pas être mouillé. Et encore stagnation d'eau. Hein? Est-ce que j'ai fait un test ici? Pas étanche du tout. Et on referme. La recherche de fuite effectuée. Hein. Et aussi, on a une poche, une petite poche ici. Quand on appuie, avec une forte quantité d'eau, ça fait. Tester. On va faire comme ça. C'est pas encore la fuite. Recherche de fuite effectuée. Et trouvée.